It's my worship. Come on, sing. Take joy. That's good. Make it your dwelling place. Wanna put a smile on your face. I breathe in my. Ladies and gentlemen, welcome to a cup of tea party. And today I have an enormous surprise for you guys, to all the young women out there. I have with me here the psalmist, the worshiper, Dina Mwana. And we're going to have a quick conversation with her to just get to know her outside of Nzambe Munene, God is good. I want you guys to meet Dina Mwana in another aspect, in another level. Dina Mwana, thank you so much for accepting the invitation to be with me today. It is more than an honor for me. And I wanted the world to kind of get to know you. Mm. You know, we see the psalmist, you blessed me, family, my life so much that it's just amazing. And I wanted everybody else to get to know who blesses them, who she is. If you could let the world know a little bit about who you are and what you do. Well, as you said, I'm Dina Mwana. A singer, an artist. I love to call myself a worshiper because I believe that this is where I was made for. The Lord sent me in this earth so I could bring people to worship Him. I could bring myself to worship Him, and I can bring people into my worship to worship the Lord. So I'm more than a worshiper. I'm a worshiper. I'm more of a worshiper than a person living in this earth. That's good. And to just kind of get to know you a little bit better, then I know that you serve the Lord and you sing, and you're a mother. What other stuff do you do? Since a few years now, I have joined my husband on this. Well, I don't really want to say business, yes. But well, it's a kind of business, yes. Because we produce concerts. Oh, okay. Oh, yeah, events. Oh, events. Christian, okay. Events. Okay, good. That's good. Yeah, in Congo especially, and we are trying to bring it, in other countries like Congo Brazzaville. Le plus proche. Okay, d'accord. So this is what we do together. We're doing it together, yeah. And it's really hard a little bit because we are not really used to it in Africa, especially. On fait ça parce qu'on a vu que, en tant que chrétien, on a beaucoup souffert dans les événements, dans l'organisation des événements. So, like 2 years ago, I have joined my husband because it has been going on since I started my ministry. Like 7 years ago now. Yes. But it was focusing on me. So now we are focusing on other artists. And That is amazing. Oh. That is amazing. I know that there's a lot of young women out there who look to you as an inspiration. They look to you as, I want to be like her. I want to do what she does. But I know that everybody has their story with God. Mm-hmm. I know that it's more than just a voice. I know that there is that thing, that thing over there that most people don't see. Mm-hmm. I know you can't probably tell us all it is on in the details, but how do you do it? How do you maintain? How do you keep your posture? How do you not give up? What keeps you going? What is it? Who is it? What is it? I mean, we have to know, you know? What keeps me like growing and giving what I'm giving, and giving. I'll say Christ. Amen. Well, he's living into me. Mm-hmm. And I was reading the word today again. Je crois que c'était dans Jean 14. Il dit, je suis le Père est en moi et moi je suis en vous. Yeah. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Right. And God found Himself when we're weak. Mm-hmm. If I say and if I have to scream it. Like, into the world, like telling people that how strong I am. Yeah. I don't think that I could do that because I'm not strong at all. Mm. Every single thing that people see in me, it's what the Lord is making them see. Mm. Je suis rien sans Dieu. Amen. Je ne peux rien sans lui. Amen. Et je ne le dis pas parce que ce sont des phrases que nous sommes habitués d'entendre. Ouais. Non, je le dis parce que je le sais. Amen. Et je le témoigne vraiment parce que je sais d'où il m'a pris. Ouais. Et où il m'emmène, lui seul le sait. Amen. Has there ever been a time where, même avec Dieu, you got to a point where you wanted to give up? Like, I can't get on the stage.
je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Oh, yes. Ou bien tout le monde t'appelle. On, je sais que surtout avec le social media today, de contacting you, message, maman Dena, maman Dena, maman Dena, ta famille, tes enfants. You just don't know, Grace, how many times before going to the stage. Yes. I cried. Oh, my God. Yes, I had to cry. I had a problem. I had something. I had something not going right. Yeah. And I had to cry. And I had to tell God, like, are you serious? Are you sure that I should go there? Are you sure that it's really me that you want there talking to those people or bringing hope to these people? Oh, wow. I don't think that I'm worthy. Yeah, I have said that so many times. And then I will find myself bringing more than what I could imagine. Look at God. Then I would just say that this is when we're weak, then we're strong. Yes. And this is when we don't have nothing to give, that God is giving what he want to give to his people. Yes. You know, I'm not saying that we don't have to be confident. Yes. When we're serving God, but we have to look up to him more than we can look up to our talents. Yes. And what we think we have. Yes. Because I'm telling you, I have nothing. If not God, yes. I am nothing. I have nothing. There is nothing that I can give to, yes, the world that doesn't come from God. Amen. So amen. I'm telling you, there were so many times that I had to give up. Like I said, that I don't think I'm ready. I don't think that I can bring this word. I don't think that I can teach these people. Mm. I'm not worthy. I had to fight yesterday with my husband. Mm. I had this. I had to scream at my kid before coming here. Mm. What do you want me to tell? I had a problem in my marriage. Mm. What do you think that I can tell this young woman who, right, want to get married? Yeah. And then God told me, like, well, c'est un enseignant qui enseigne. Ce n'est que lorsque nous avons appris, que nous sommes passés par des circonstances, yes, qu'on peut encourager les autres. Ouais, alors le Seigneur permet beaucoup de circonstances, c'est négatives, vrai, dans notre vie, oh, wow, afin que ça ramène la force intérieure, yes, et que nous puissions être une source d'encouragement pour les autres. Amen. So this, amen, is what it is, Grace. That is good. I have probably a couple more questions with you. I know you have a busy schedule going around here in Dallas, Texas, especially. La Chante Dena has a concert October 1st, mm-hmm, that we're all going to be there. But I wanted to ask you, and I might even ask this question in French. Mm. Avec la nouvelle génération que on voit aujourd'hui à cause des social media, Facebook, yes, les jeunes filles qui ont de belles voix, mm-hmm, elles veulent chanter. Mm-hmm. Et à cause de la belle voix ou bien parce que, bon, Dieu leur a dit. What do you say to these young women? Je sais que it just can't be the voice. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver où la Chante Dena Moana est arrivée? Oh my goodness. Tu vois, c'est quoi? C'est la prière? C'est le jeûne? C'est quoi? Parce que it cannot be that easy. Malgré que tu rends ça tellement easy. Et je suis ici avec elle. Today, elle est, ça va, she's welcoming, she's doing this. I'm like, it cannot be that easy. What do you tell those young women out there? You know, I believe that I didn't arrive yet, yeah, where the Lord is expecting me to, you know, to arrive. But yeah, what I'll say is, je pourrais dire en français, la Bible dit que lorsque une pierre tombe en terre, si elle meurt, yeah, c'est là qu'elle commence à porter les fruits. Wow. Quand elle n'est pas morte, elle ne peut pas donner les fruits. Right. Aujourd'hui, right, on peut voir un arbre, un manguier, qui donne beaucoup de fruits, et on n'a qu'à regarder les fruits pour dire que, oh, it's a beautiful, you know, tree. Yes. And I want to be like this tree. Yes. And what I can tell is, avant que cet arbre ne puisse donner les fruits, c'est une graine qu'on a plantée sous terre. Wow. Et quelque chose qui va sous terre s'étouffe, right, ça meurt. Yeah. On ne peut pas apporter la vie quand on n'est pas mort. Yeah. On ne peut pas faire revivre les gens quand on sait pas ce que c'est de mourir, mm, afin de pouvoir donner. Tu sais, quelqu'un peut parler avec conviction que lorsqu'il a vécu une circonstance. Voilà. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas en mener. Avoir le don ou une passion, mm, ne suffit pas pour servir Dieu. Mm. Ça ne suffit pas. Maintenant, le Seigneur a besoin des gens qui doivent emmener les peuples vers lui. Amen. Vous savez, le diable est méchant. Yes. Et il est en train de travailler, yes, dur. Prêt. Pour... L'enfer a été fait pour le diable, mmh, seulement pour lui. Oui. Mais il fait de son mieux pour pouvoir emmener les peuples que Dieu a créés, mmh, avec lui. Et, mmh, ça, il s'acharne sur la génération nouvelle. Oh, wow. Et maintenant, les gens que Dieu choisit ou les gens que Dieu veut envoyer sur la terre, ce sont ceux dont on parle dans la Bible. On dit, dans ces temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça ne sera pas que les gens qui auront du talent. Ça sera des gens qui auront
leur vie à donner, qui vont vivre des choses profondes et qui seront capables de parler de Christ n'ayant pas honte de lui. Amen. So, à cette génération nouvelle que nous sommes, because I belong to this generation as well, c'est que oublions un peu nos passions, oublions les talents que nous avons. C'est Dieu qui nous les a donnés, certes, mais il veut plus, il veut des cœurs, il veut des gens qui sont prêts à mourir pour lui afin qu'il puisse donner la vie au travers d'eux. Nous ne pouvons pas donner si nous ne sommes pas morts. Alors, à cette génération, je dis simplement, si tu n'es pas prêt à servir ton Dieu en mourant comme il est mort pour toi à la croix de Golgotha, don't let yourself, don't expose yourself, parce que les choses auxquelles tu seras exposé dans ce monde vont peut-être te tuer sans que tu puisses vraiment toi-même offrir ton âme. Oh my God. Wow. So one last question for you, Ashton Pina. Worshipper dinner. I need to remember that one. Yes. What's next for you? What are your next projects? Because I know that you're a mother, a wife, you're a worshipper first, of course. Yes. What are the other projects that you have coming up out there that you're doing? The other part? Like, what do you mean? Like, any other projects. Do you have any other projects outside of worshipping and yes, singing? I have another project. I have a lot of projects. Okay, good. I have a lot of projects going on in my mind. Yeah. And I'm trying, you know. We need money for this kind of things. Absolutely. I've been told by the Lord so many times that you have to, comment je dirais, encadrer les jeunes. Yes. Mais aussi... je sais que tout le monde le fait un peu, mais j'ai entendu clair dans mon esprit que je dois encadrer les orphelins. Tu sais, une fois, à la télé, je regardais cette jeune artiste. C'est une actrice, elle a évolué au Canada, je crois. C'est une Congolaise, celle qui a tourné le film dans l'armée. She was a street, she was from the street. Et puis on l'a pris, on l'a emmenée, elle a tourné le film et puis aujourd'hui elle est vraiment regardée. Elle est même repartie à l'école, elle a appris à parler la langue française et autres. Elle est une inspiration pour plusieurs personnes. Oh, je dois la chercher, je ne sais pas. Quand j'ai vu cette fille, je me suis dit que entre les mains de qui elle est tombée. Oh. Si nous avons plusieurs enfants comme ça qui sont dans la rue, mais qui attendent pas seulement du pain, mais de quelqu'un qui peut leur apporter l'espoir. Dans le vrai sens du mot. Amen. Christ is hope. Yes. I'm not talking about l'espoir de vivre le lendemain simplement, mais je parle d'un vrai espoir. Si cet enfant que tu prends dans la rue, qui a été peut-être rejeté ou accusé d'être sorcier ou je ne sais pas quoi, je le prends aujourd'hui. Je ne lui parlerai que de Christ. Et puisqu'il sera sorti de ce monde avec cette parole, il aura... Comment je dirais, il aura une force de pouvoir parler de Christ plus facilement qu'une grande personne qui a rencontré le Christ, par exemple. Parce que ça sera dans ses veines. Yes. Ça sera... Et pour couper court, un des projets que j'ai, c'est de pouvoir prendre ces gens dans la rue, ces enfants dans la rue, non seulement les éduquer avec une intelligence humaine, mais aussi leur donner ce qui est essentiel. Yes. Christ, afin que nous puissions impacter. Nous avons besoin de tout ce monde pour pouvoir impacter. Et l'un de mes projets, c'est de travailler un jour avec des orphelins, les gens qui n'ont pas d'espoir. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'espoir, tu peux foutre ce que tu veux dans sa tête. Tu peux lui mettre ce que tu veux dans la tête. Et je veux que le Seigneur me donne cette grâce de pouvoir rencontrer ces enfants qui n'ont rien, qui sont vides à cause de ce qu'ils ont rencontré dans le monde et leur donner les fourrés de Jésus-Christ puissent avoir aussi la possibilité de parler de lui à d'autres enfants et à d'autres personnes dans le monde. Amen. C'est l'un de mes projets. That is wonderful. You know, I guess that we really need to connect you and I parce que a cup of tea, it's a non-profit. It's made for women here in the U.S. to edify them, teach them, and make them do work in the excellence for Christ. But at the same time, we have a foundation, which is called Fill My Cup Foundation, and it's for African women back home. Okay. And Fill the Cup is not just to give them materials, clothing and stuff. Fill the Cup with knowledge, hope, teaching them, with giving them projects so they can be independent of their own through Christ. Oh, yes. And then we're also in working in project with an orphanage in Congo. It's called Children's Help. Okay. And also, this is where a cup of tea we're here for. Like, we want to... What you're saying, now I understand that this is a divine connection. Oh, yes. This is what we want to do. And we really, what I always say, we want to bring America back to Africa and make sure we help everybody, not just...
limited to things today, tomorrow, but yes. things that, like the child that you just said, will bring them to have a better future. So you and I, we need to work together. But honestly, then I know that you have a lot of things going on this week. I had so many questions to ask you. I just want to come and sit there and start writing down everything you say. I'm so glad that you're here with us. Thank you, Grace. So much. Is there anything that you'd like to say to the people out there before we close out our interview? Anything? Anything. Well, first of all, I want to invite you guys to come this October 1st. Yes. So we can worship the Lord together. Amen. And also, I want to, je veux encourager quelqu'un qui a peut-être perdu espoir, qui se dit que est-ce que Jésus se rappelle vraiment de moi? Est-ce qu'il connaît mon nom? Est-ce qu'il sait où je suis? Est-ce qu'il sait par quoi je passe? Je voudrais te rassurer que il y a. C'est dans la détresse qu'on rencontre Christ. C'est quand on a des larmes à verser, qu'on rencontre quelqu'un qui sait consoler. Si tu passes des moments que de joie, tu n'auras peut-être pas le temps vraiment de voir qui est Christ. Christ est l'ami fidèle. Il est celui qui nous sort des situations très difficiles. Je peux te rassurer. Et je ne le dis pas parce que je le sers simplement. Je le dis parce que j'ai eu à le connaître. J'ai eu à faire de lui un ami. Quelqu'un avec qui je passe du temps. Quelqu'un à qui je parle dans des moments tellement compliqué. C'est vrai, comme Grace le disait, à me regarder, c'est comme si ma vie est rose tous les jours. Mais je peux te rassurer qu'avant que je tourne même le clip de Nzam et Monene, je traversais une période tellement difficile qu'aujourd'hui, quand les gens me parlent de cette chanson et de ce qu'elle fait dans le cœur des gens, tout ce que je peux dire, c'est que Christ a utilisé cette peine dans mon cœur pour pouvoir ramener une vie, pour pouvoir donner, redonner de l'espoir à quelqu'un. Parce que moi-même, quand je le faisais, j'avais besoin de l'espoir. Et j'avais besoin, je criais fort. Je parlais fort d'un grand Dieu dans mon cœur. Je diminuais mon problème pour que Christ soit plus haut. Et je l'ai vu se glorifier. Et aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de témoignages des gens qui m'ont dit des problèmes qu'ils traversaient. Mais à cause de ce chant, à cause de tous ces chants, de cet album, ils ont pu retrouver espoir. So, je voudrais vraiment te rappeler que Christ se rappelle de toi. Il te connaît par ton nom. Juste focus un tout petit peu. Juste jeter un tout petit peu ton regard vers lui. Tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Si tu as perdu espoir, entre dans ta chambre, appelle Christ et tu vas voir ce qu'il va faire de toi ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder cette émission. Que le Seigneur te bénisse et surtout, rappelle-toi qu'il est là pour toi et qu'il te connaît avant que le monde ne soit. Il te connaissait, il a écrit ton nom quelque part. Rejoins simplement la destinée qui est écrite par Christ pour toi, afin qu'ensemble avec Christ, vous puissiez écrire l'histoire de ta vie. Amen. Voilà ce que je peux te dire. Amen. Ici, c'est émotionnel, Agathe. Je sais que tu parles au peuple, mais moi-même, ça m'a vraiment touché. Father, thank you so much. Amen. So, thank you so much for all of you guys watching out there. On va tous se voir le 1er octobre à Dallas, Texas, à Marriott DFW avec la chante The Worshipper, Dena Moana. And thank you all guys with a cup of tea. May God bless you all. Hopefully this will change somebody else. Life, actually. Have a great night wherever you are. Good morning if you're waking up. Good afternoon. May my God, the God that la chante Dena Moana and I, we serve, bless you all. In Jesus' name.